Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mais surtout activer la cloche. Ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo astuce, nouvelle vidéo tuto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment asphyxier l'adversaire dès le début du match et avoir l'emprise sur le match dès le début. Vraiment prendre le contrôle du match pour pouvoir tout simplement aller faire un peu ce qu'on veut, mais dès le début du match pour pouvoir voilà l'asphyxier, pour pouvoir prendre le dessus sur le match. Mais attention, ce tuto est compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est soit vous prenez l'emprise du match, soit vous allez vous faire asphyxier à votre tour. Donc voilà, faut vraiment bien débuter et regarder attentivement ce tuto. Donc on va tout simplement passer sur une tactique perso plus offensive. Donc je vous avais montré tout simplement une tactique hein, pour pouvoir faire de l'offensive. Ensuite, ultra défensif, ultra offensif, ça va arriver. Mais voilà, pour ce petit tuto, on va mettre en style défensif pressing constant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, hein, ça va crever dès le début. Mais après, vous allez voir, on va repartir sur une tactique assez équilibrée. Donc style défensif, pressing constant, on va se mettre à 6. Profondeur, on va se mettre à 7. Voilà, on va vraiment avoir de la profondeur pour pouvoir aller piquer l'adversaire dès le début du match. Style offensif, construction rapide. Largeur, on va se mettre à 6. Dans la surface, on va se mettre à 6. Corner, on laisse à 4. Coup franc, on laisse à 4. Et en instruction, vous allez voir, on va mettre rester axial pour Mbappé dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense pour mon deuxième buteur. Lucas Moura, rester devant débordé. Rashford, rester devant débordé. Ferland Mendy, rejoindre l'attaque. Et Nelson Semedo, rejoindre l'attaque. Donc voilà, là, on va tout miser tout simplement sur ce début de match. Donc on va tout miser pour aller chercher la victoire, pour pouvoir piquer l'adversaire dès le début et ensuite repartir sur une composition tout simplement et une tactique perso un peu plus défensive. Donc on va tester ça en Division Rivals. On va vous montrer tout simplement que ça fonctionne. Voilà, il y a pas mal de personnes qui me disent tu fais tes tutos en solo et tu les testes pas. Là, on va tester tout ça en direct. Voilà, dès le début du match, on va tout simplement asphyxier l'adversaire. Donc vous allez voir, c'est vraiment un risque à prendre au début du match. Mais ensuite, si vous arrivez à prendre le contrôle, voilà, ce sera terminé. Donc voilà, là on est une assez bonne équipe. On est sur du Joao Félix, Renato Sanchez, ouais, Marquinhos. Donc voilà, là, ok, très bonne équipe. Donc ce sera vraiment un vrai test pour cette petite astuce. On va pas jouer jusqu'à la fin du match, parce que ça sert à rien. L'astuce, c'est vraiment tout simplement de contrôler le match dès le début. Et on va voir ce que ça donne en début de match, tout simplement comme ça, à chaud. Donc voilà, il ne s'attend pas aussi à ce qu'on va mettre une grosse pression. Et le but, ça va être aussi de mettre la touche grosse pression. Donc un coup de flèche en bas et pressing collectif à gauche. On se met en offensive, c'est parti. Donc hop, j'ai déjà mis la touche. Donc vous voyez, voilà, je suis déjà dans son camp. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, voilà, il va falloir tout donner aussi pour récupérer la balle. Mais on vous voyait déjà une grosse pression, donc là je vais la désactiver parce que ça sert à rien pour l'instant. Donc voilà, une offensive. Hop, je suis déjà quasiment dans son camp. Bon là il y a bien défendu, hein. Là faut aussi se faire si il y a une bonne défense. Donc hop. Donc il a très bien défendu dès le début du match. Mais vous voyez quand même il a bégayé, hein. Il était sous une grosse pression. Comme dit la touche. Donc la touche plus la tactique perso qu'on a mis, c'est vraiment insurmontable. Donc là, Mendy crée des propositions en plus, il crée des solutions, pardon. Hop. Donc là, vous voyez, des débuts du match, on est assez offensif. Donc là, ouais, c'est parce que je joue mal aussi, mais on est vraiment dans sa moitié de terrain. Donc lui ne s'attendait pas à ça, il lance le match, voilà. Hop. Là j'ai activé le pressing collectif, je sais pas pourquoi. Donc je vais le désactiver. Hop. Mendy, vous voyez, il crée des solutions. Donc là après le gars défend bien en face, hein. Mais vous voyez la pression qu'on a créée, qu'on a réussi à créer tout simplement sur le match dès l'entame. Donc après, voilà, il a bien défendu dès le début. Mais vous voyez, ça peut être dévastateur. Hein, c'est un truc de ouf. On est toujours sur une compo très offensive. Et là,
Malheureusement, on se prenait le but. Mais vous voyez vraiment dès le début du match, déjà dès les 15 premières secondes, on voyait que le gars ne comprenait pas ce qui lui arrivait en fait, hein. Il y avait vraiment une offensive et c'est ça qui est intéressant dans cette astuce. Après, vous l'avez vu, il y a aussi des opportunités de marquer. Ça, c'est un autre délire. Mais vraiment, si vous arrivez à contrôler ça, vous aurez l'emprise du match. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous arrivez à mettre cette grosse pression et arriver dans son camp, là, c'est terminé. Donc vous voyez, moi, c'est parce que j'ai loupé l'occasion avec Rashford. Mais dès les premières secondes, j'avais vraiment une occasion d'asphyxier tout simplement mon adversaire. Donc après, si vraiment vos joueurs sont trop vite fatigués, vers la 30e minute, vous arrêtez cette grosse pression, vous mettez simplement juste la tactique que vous avez débutée. Mais vraiment, voilà, c'est dans les débuts du match pour pouvoir asphyxier l'adversaire. Et dès que vous contrôlez le match un peu plus, vous repartez sur une tactique un peu plus défensive. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je prends un peu le risque de faire tout simplement un tuto pour asphyxier l'adversaire. C'est vrai que c'est au niveau du jeu, on peut me dire que je suis pupute ou des trucs comme ça. Voilà, ça fait partie du jeu. On n'est pas forcément sur une tactique qui est pas correcte. Voilà, on va tenter tout simplement de prendre les devants dès les débuts, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous y arrivez, hein, voilà, ou sinon je vous donnerai de plus en plus de détails par rapport à cette vidéo, par rapport à ces différentes astuces. Donc voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne. Vous êtes les meilleurs les amis. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. C'était Heroic, salut la team. Thank you.